parmi les autres grandes informations de ce florilège du zapping qui a été reprise par nous, c'est bien entendu ce qu'il se passe avec cette fameuse marée noire dans le golfe du Mexique. Alors oui, c'est une tragédie qui va précipiter le second crash, nous dis-tu. Donc c'est dans la lignée du témoignage du pasteur de la plateforme BP. Alors, il faut peut-être que tu commences par Alors on va faire ça comme ça. que tu commences plutôt par le témoignage de ce pasteur hein, qui travaillait justement sur la plateforme BP et qui a téléphoné donc à Alex Jones qui l'a interviewé. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que justement ce pasteur hein, donc Lindsay Williams, c'est un garçon très intéressant. Parce qu'il a écrit plusieurs livres hein, sur le sujet, il connaît très très bien le monde des foreurs, je sais pas comment on appelle ça, ou des plateformes de forage, etc. Et là, il a vraiment donné une information capitale, à savoir, d'ailleurs qui a confirmé d'autres informations, c'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il est strictement interdit, hein, donc là c'est la FAA, hein, c'est la Fédération de l'Aviation Américaine, donc c'est les contrôleurs de l'air américains, donc qui ont interdit le survol de l'ensemble du golfe du Mexique. Purement et simplement. Voilà. Donc pour hein, parce que ça pourrait les passagers de l'avion pourraient éventuellement Prendre des voir photos prendre des ou filmer, photos, voilà, et voir effectivement qu'il y l'étendue de a la catastrophe. l'étendue de la catastrophe. Donc vraiment, il y a ça. Donc et alors selon cet homme d'église, la pression du puits est telle que une seule technologie pardon, peut l'arrêter. Hein. C'est une bombe nucléaire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Les Russes ont eu le même problème dans les années 50-60. Alors c'était pas avec du pétrole, mais c'était avec du gaz. Hein, mais en revanche, c'était à terre. Hein, c'était, je sais plus, je crois que c'était en Sibérie. Donc c'était pas 1500 mètres sous l'eau. Hein, et ils ont été effectivement obligés de creuser, comment dire, un tunnel en biais. Et de glisser donc une bombe nucléaire en biais pour justement, ils l'ont fait sauter et ça littéralement stopper la fuite, c'est-à-dire que ça allait comment dire glacer le sous-sol, hein, parce que ça devenait extrêmement dangereux, le gaz qui s'échappait effectivement non seulement dans un geyser mais en même temps du reste hein, de la Terre. Et bien là, ce qui se passe hein, et ce qu'on ne nous dit pas hein, certainement, c'est que effectivement cette fuite elle est, enfin, bon, c'est beaucoup plus grave et selon certaines informations. Il y aurait même d'autres fuites, hein, il n'y aura pas que celle-ci. Mais écoutez ce que dit justement le pasteur, hein, Lindsay Williams. Il dit que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas que du pétrole qui sort, hein, donc de ce geyser. Il y a les gaz les plus toxiques et les plus explosifs qui puissent exister et qui remontent à la surface. Alors par exemple le sulfure d'hydrogène hein, de très haut niveau que les vents bien entendu transportent sur les côtes hein, et puis qui sont dispersés. Hein, par exemple ce qui est autorisé c'est 5 à 10 parties par milliard. Et aujourd'hui par exemple pour le sulfure d'hydrogène, eh bien certaines mesures donnent 1200. Hein, contre 5 à 10. Donc alors ensuite, vous avez le benzine. Ce qui est autorisé par milliard, c'est 0,4, 0 ou 4. Aujourd'hui, les mesures donnent 3000. Hein. Et donc, toutes ces plages sont désormais atteintes et les gens commencent à être malades. Hein. C'est ce que rapporte le pasteur. Et dit que tous les quotas autorisés ont été pulvérisés. Alors, par exemple, le chlorure de méthylène, hein, qui est autorisé à 61 par milliard, aujourd'hui, les mesures donnent entre 3000 et 3400. C'est de la folie. Voilà, j'ai écouté son interview, parce que c'est une interview par téléphone, et franchement, de toute façon, entre-temps, hein, ça a été tout ce qu'il a dit, effectivement, a été confirmé, hein, donc tout ce qu'il dit est vrai, et c'est clair que c'est la plus grande catastrophe humaine depuis 9000 ans. C'est-à-dire que là, nous sommes en présence. Et ce que j'avais dit ici, je ne sais pas, il y a eu 15 jours ou 3 semaines, 15 jours. c'est une catastrophe biblique. Point barre. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse lui donner. Et donc c'est Alex Jones qui a sorti cette affaire, donc bravo. Et ça a été traduit, donc vous avez la vidéo sur le blog, donc vous y allez, c'est quotidien.com ou jeuvenavec.com. Et ça a été traduit par un certain Hussard, qui l'a très bien fait. Et vous pouvez voir l'ensemble, donc je vous encourage à y aller.
C'était MSNBC, donc c'est la chaîne de télévision MSNBC qui a interrogé une biologiste marine qui plus est, qui s'appelle Ricky Ott, et qui, elle, avait déjà travaillé, qui avait mesuré en fait le désastre que causait donc le pétrole lors de l'Exxon Valdez, justement. Alors, elle donne des informations mais alors factuelles absolument extraordinaires. Écoutez bien, elle dit que chaque nuit, hein, il y a des inconnus qui ramassent tous les cadavres de bébés dauphins, de poissons, de tortues, etc. À peine une carcasse est rejetée, que tout d'un coup, en pleine nuit, on voit des lampes de poche, des lueurs de lampes de poche dans la nuit sur les plages, et Tout est tout est enlevé, nettoyé, tout est ouais. nettoyé, manifestement par les gens de BP, de manière à ce que les journalistes ne puissent pas filmer des images compromettantes. Il faut toujours que ce soit une plage mazoutée, mais propre. Il n'y a pas de cadavres d'animaux, vous voyez? Donc c'est quand même assez surréaliste. Alors elle confirme effectivement l'information du pasteur, dans le sens que tous les gens qui travaillent sur les plages en ce moment ont commencé à avoir des nausées, des problèmes respiratoires, etc. Ça, c'est très très grave. Et figurez-vous que la BP continue toujours à nier le problème, alors que chaque semaine qui passe, le nombre de barils qui se déversent quotidiennement est revu à la hausse. Moi, c'est ça que j'adore. C'est une bande de menteurs, mais c'est absolument effrayant. Je continue. Alors, par exemple, ils avaient dit au départ. Il y avait 60 000 barils, Alors, gallons. ça, c'est le dernier. Mais au départ, c'était juste 3 000. Hein, c'était entre 4 000, ouais. 3 000 ou 4 000, voilà. Et aujourd'hui, c'est à 60 000. Et ça se trouve, la semaine prochaine, ils vont dire non, c'est 150 000. Enfin bref. Donc imaginez que ça fait donc 2,5 millions de gallons, soit, allez, on va arrondir, 10 millions de litres de pétrole, hein, qui se sont vidés. Hein, donc depuis le début, c'est 522 millions de litres de pétrole qui se sont écoulés dans l'océan. En un an, ça va être 3,5 milliards de litres. Alors écoutez bien, ça c'est très intéressant. Très intéressant. Vous avez vu, je crois, il y a 15 jours, vous savez, Greenpeace fait des actions, hein, contre les pêcheurs, contre Total, hein. Mais alors, ce qui est très curieux depuis cette affaire, BP, Greenpeace, on les a absolument pas vus. Greenpeace, ils sont toujours très forts pour s'attaquer aux intérêts des Français, des Australiens, des Allemands, etc., ou des Japonais, mais jamais aux intérêts américains ou anglais. Hein. Et justement, dans l'affaire BP, il n'y a même pas une petite manif, même une minuscule petite manif devant BP. Je veux dire, mais est-ce que c'est normal ça? Et il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui se sont posé des questions justement sur l'absence de manif de Greenpeace, qui, semblerait-il, maintenant est aux ordres de je ne sais qui ou de quels intérêts, peu importe. Mais le fait qu'il n'ait absolument pas manifesté devant BP, c'est quand même, ça trahit une collusion, hein, d'intérêts communs, manifestement. Enfin, c'est quand même surréaliste, quoi. Bon. Alors je rappelle que c'est la raison pour laquelle la DGSE, hein, il y a 15 ans ou 20 ans, avait infiltré Greenpeace, justement. Parce que Greenpeace allait, avec les bateaux, allait semer la panique lors des essais nucléaires français. Et donc, comme la DGSE savait qu'ils étaient manipulés par la CIA, donc bon, ils avaient fait leur petit travail de. Comment dire, leur contre-travail, si je peux dire, le contre-espionnage. Voilà. En 3 mois. Mais dans 3 mois, hein, au moins, le golfe du Mexique ne sera plus qu'une mer géante de pétrole. C'est vraiment ça, hein. Tout ce qui vit dedans, hein, et au-dessus de la mer sera empoisonné sur toute la terre ou sur tous les océans, peu importe, à cause des courants marins, hein. Et je pleure les pêcheurs en général et les pêcheurs français en particulier parce que d'ici un an, cette catastrophe va être planétaire parce que avec les courants marins, évidemment, bah, ça va se répandre partout. Hein, parce que comme vous le savez et comme on l'a entendu tout à l'heure dans le zapping, il n'y a pas que le pétrole. Il y a tous les dispersants que les mecs ils sont en train de mettre, donc tout ça se mélange, ça fait un espèce de joyeux, enfin une espèce de truc chimique absolument monstrueux. Bon, et ils sont en train de. Alors, bien entendu, tout ça va se. Ça va s'évaporer, ça va faire des nuages, ensuite ça va faire des pluies acides, et progressivement, l'espace d'un an, je crois, ça va faire le tour de la Terre. Donc attendez-vous à vraiment à des choses, à des pluies tout à fait étranges d'ici, je sais pas, je pense d'ici un an.